Tismumba sous les verrous, le reconnaissez-vous? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. Yo, comme vous voyez? Qu'est-ce que c'est ça? C'est lui, l'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tismumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Mumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, les trois policiers victimes de Tismumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef des départements sécurité publique et chargé des opérations. Sur pied de l'article 44 de la loi numéro 13/013 du 1er janvier 2013, portant statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de cet acte odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général de la République. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui se dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé auteur, je confirme ici que ça n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles, il n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Après avoir appris l'avis de recherche émis contre lui par la police judiciaire, Mumba, qui a plaidé coupable, s'est rendu à la justice. Détenu au parquet, le lion d'hier s'est transformé en agneau. L'heure n'est plus aux explications, mais plutôt aux excuses. Et parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est mon visage qui circule sur la toile. Et comme j'ai dit, je demande pardon au corps policier et à tous les parents qui ont pu voir cette vidéo qui circule, qui ça a pu bien choquer. Et comme je l'ai dit, je n'ai fait que retorquer ceux qui m'étaient adressés. Certes, aujourd'hui, c'est mon image qui circule. Je tiens à m'excuser parce que c'est moi qui suis à la toile, sur la toile. Selon nos sources, les trois policiers plaignants ont accepté les excuses de Tismumba. Mais hélas, ils n'ont plus aucun pouvoir d'arrêter la procédure enclenchée contre leur bourreau. Tout dépend maintenant de la justice qui va apprécier si oui ou non Tismumba mérite la clémence. Comme vous voyez, comme vous voyez. Qu'est-ce que c'est ça?